Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais en ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle, illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qui redresse ce qui est vie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, relève-toi, tiens-toi debout. Bientôt la mort disparaîtra. Pars-toi dans l'aigle de nuit. Mais Psaume 118, strophe 14. Mon âme à tout moment entre les mains,
Je n'oublie rien de ta loi. Que les abîmes tendent un piège. Je me défie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, les siècles. Psaume 4, psaume 2. Le Seigneur donnera son feu et notre terre donnera son fruit. Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin, au milieu de Dieu il juge. Jusqu'à la croix.
Soutiendrez-vous les prestiges des impies, jugez pour le faible et l'orphelin. Ô malheureux, à l'indigent, rendez justice. S'ébranle. J'avais dit, vous des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Mais non, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Cantique d'Isaïe, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Tel le berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis mères. Pourquoi dis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent Dieu renouvellent leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. De François Varillon, La mission de Jean-Baptiste. C'est la grande figure de Jean-Baptiste que l'Église nous invite à contempler quelques jours avant Noël. Jésus disait « Parmi les enfants des femmes, pas un ne fut plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans le royaume des cieux, le moindre est plus grand que lui. » Nous qui sommes parmi les moindres, quelle est donc notre grandeur si nous sommes plus grands que le plus grand ? Cette parole est mystérieuse.
Elle n'est pas énigmatique, si du moins nous croyons que la vocation de l'homme est de devenir par participation ce que Dieu est par nature. Après tant de lointains précurseurs du Christ, qui jalonnent depuis Abraham l'histoire d'Israël, Jean-Baptiste est le précurseur immédiat. La phrase si belle de la deuxième épître de Pierre que beaucoup de poètes aiment citer, où la parole des prophètes est comparée à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à poindre et que l'étoile du matin se lève dans les cœurs, comme elle est vraie de Jean-Baptiste. C'est bien cela le dernier signe annonciateur, le moment de vie intense et solennel où ce qui fut pendant près de 2000 ans préparé et attendu est enfin sur le point de s'accomplir. Il y a quelque chose de poignant dans l'imminence d'un événement, qu'il s'agisse de l'éclosion d'une fleur ou de l'enfantement d'un petit homme. Quelque chose ou quelqu'un arrive. Un seuil va être franchi. On attend le cœur battant. Tout l'Ancien Testament est comme un index tendu vers Jésus-Christ qui doit venir. Mais, comme on le voit dans le tableau de Grunewald au musée de Colmar, Jean-Baptiste désigne du doigt Jésus-Christ qui est là et qui n'est pas encore là, qui n'a encore presque rien dit, qui va seulement commencer de parler. De toi, ô Bethléem, sortira le berger d'Israël. La gloire du Seigneur va se révéler. Et tout homme verra le salut de notre Dieu. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut. Lecture du livre de la Genèse.
En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Judas, à toi, tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever ? Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. » Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Nous lisons aujourd'hui ce texte qu'on pourrait appeler le testament de Jacob. La liturgie n'en a retenu qu'une petite partie, celle concernant Judas. Cela déjà peut nous étonner. Pourquoi cette mise en avant de Judas et pas du fils préféré, Joseph, ou du fils aîné, Rouben ? Pourquoi aussi parler de sceptre royal alors que la famille de Jacob n'est pas encore un peuple et est même exilée au pays d'Égypte sans gouvernement propre ? De fait, le rédacteur a en vue le règne de David, descendant de Judas et roi en Israël, dont la royauté s'est transmise à ses descendants pendant plusieurs générations. En tant que chrétiens, nous pensons aussi évidemment à Jésus, descendant de David et donc de Judas. C'est lui le vrai roi d'Israël, celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Mais il ne règnera pas par la violence et la contrainte, en faisant plier durement la nuque de ses adversaires. Il règnera pour établir la justice et la paix. En effet, il sait ce qu'il y a dans l'homme. Lui qui prit cher dans une lignée humaine, sans faire semblant, mais en rachetant ses ascendants qu'il a assumés. Ainsi, celui que Jacob a comparé à un jeune lion sera désigné par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu. Est-ce le signe d'un manque de puissance ? Non, le lion dort, mais son pouvoir ne lui échappe pas. C'est à lui, en effet, que le pouvoir appartient. Pas par une délégation à la manière des hommes, mais par nature, selon son être divin. Seul Dieu, en effet, seul celui qui est vraiment fort, peut détenir le pouvoir sans s'en emparer, sans en faire un instrument d'oppression pour le peuple. Ainsi sera le descendant de Judas, le Christ, venu se révéler en un petit enfant, un enfant fragile, mais un enfant royal, devant lequel se prosternent ceux qui viennent jusqu'à lui. Sa royauté n'est pas de ce monde. Les seuls ennemis qu'il vient anéantir, c'est le péché et la mort. Les peuples lui obéiront, dit encore Jacob. De fait, il nous faut encore prier pour que la parole du Christ atteigne les confins de la terre, les confins de nos cœurs. Que la célébration de sa nativité et de son incarnation nous achemine chaque année un peu plus loin dans la connaissance de son nom et ravive en nos cœurs l'espérance que son règne vienne. Thank you.
Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, apporter la guérison à toutes les personnes malades, souffrantes ou isolées. Consolez-les dans leur attente de ta venue. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, guérir le cœur endurci de tous les pécheurs pour qu'ils aient la grâce de te rencontrer. Viens, Seigneur Jésus. Avec l'esprit de notre baptême, nous te confions, Seigneur, tous les chrétiens de toute confession qui sont enfants du même Père pour qu'ils progressent vers l'unité. Viens, Seigneur Jésus. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et mortel, aie pitié. Nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur Dieu créateur et rédempteur des hommes, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sein de la Vierge. Sois favorable à notre prière, que ton Fils unique, qui s'est fait l'un de nous, nous donne part à sa vie divine, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous. Alléluia, alléluia, alléluia.
Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des